C'est fini pour cette nouvelle vidéo du dimanche sur Red Dead Redemption Online, tout le monde. Et si vous suivez un peu ces vidéos, il y en a une où je suis devenu marchand et où j'expliquais que mon but était de devenir distillateur clandestin. Eh bien, il se trouve que ce jour-là est arrivé. Alors, malheureusement, j'ai eu des problèmes au niveau de mes captures et de mon organisation dans les fichiers, etc. Et donc, je n'ai pas la vidéo d'intro où on nous présente, en gros, la personne qui nous mène vers le taf, le rôle de distillateur clandestin. C'est que donc je vais aller dans camp, distillateur clandestin, enfin distillerie clandestine, choisir un emplacement, et là maintenant on va sélectionner un emplacement, donc d'où on va installer notre peak easy, j'ai envie de te dire. J'aime bien les peak easy, j'adore le principe. Allez, on part sur le bayou parce que voilà, il y a Saint-Denis juste à côté. Saint-Denis c'est cool, j'y vais très souvent. Juste pour m'y balader parce que voilà, j'adore ce truc. Voilà. Alors, on a quelques petits trucs, des recettes. Ok, recette d'alcool de menthe sanguine. Ok, recette d'alcool de punch tonic tropical. Ok, d'accord. On va y aller dans notre magnifique distillerie, n'est-il pas ? Moi, en fait, ce que je trouve assez dommage, c'est que j'imaginais vraiment, par exemple, qu'elle allait, genre, être dans Saint-Denis, sous un bar, une porte cachée, un bâtiment, tu vois, un peu délabré, tu vas en dessous, tac, dans une petite cave, et hop, t'as tout, tu vois, t'as machin. Non, visiblement, on est dans la nature, on est sur le bayou, à côté des alligators et d'autres bidules de ce genre. Alors, on va appeler mon cheval. Cheval qui a changé, hein, n'est-il pas? C'est un beau cheval, maintenant. Très beau cheval. Frido. Enfin, je suis toujours aussi nul pour leur trouver des noms, les gars. Excusez-moi. Ah là 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 là. C'est un pur sang arabe, n'est-il pas? D'une vitesse. C'est pas le plus rapide du jeu, hein. Non. Mais voilà. On va dire que par rapport au vieux truc que j'avais avant... on est sur quelque chose de plutôt... c'est une Lamborghini de l'Ouest, clairement. C'est carrément mieux que notre bon. Bon, on va couper là, et je vous retrouve dans ma magnifique distillerie du sénateur. Mais tu vas t'arrêter? Mais par contre, faudrait vraiment que quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que à chaque fois... Mais calme-toi. Arrête. Oh là 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 là, pauvre bête. Bon, alors. Oh. Fais voir. J'espère qu'à l'avenir, je pourrais genre changer de bâtiment, des trucs comme ça. Oh, c'est exactement... Oh oui, j'adore. Allons. C'est petit. Welcome to Paris. Ouais, alors. On peut rien faire ici. On peut rien faire. Il n'y a pas une porte dérobée. N'est-il point? Pourquoi il y a des singes? Pourquoi j'entends des... Ah non, mais attends, mais il y a d'autres portes. Ah bah là voilà. Salut. Ok. Écoute, je vais jeter un petit coup d'œil un peu à tout ça. Oh, j'ai mon petite cheminée, machin. Donc c'est ici que nous faisons de l'alcool. Sortir. Ouais, je suis pas parti, hein. Est-ce qu'on peut dormir, non? Oh, on est en online, tu me diras, ça serait un peu con. Et donc là, ouais, d'accord, ok. Très bien, bon. Que dois-je faire? Cher Maggie. Trouver du matériel, sauver le bouilleur. C'est ça dit comme ça, j'espère que ça dit comme ça. Mais oui, il me faut un bouilleur, il me faut du personnel.
Well, next on the list is a cook. Can't do much without that. On a trouvé un cuistot. Since Danny Lee sold his soul to the Braithwaites, we've been courting a feller called Marcel. Friend of Cripps used to work as a chef for Jessica Leclerc. But he comes from a long line of French distillers. Seems to know what he's doing. Problem is, another alpha got wind of this and grabbed him. So, let's see some of that muscle Cripps promised me. Donc on va aller récupérer, ça c'est Damny Lee, un truc comme ça. En français. Bon. Moi je vais te le récupérer frérot. Maintenant j'ai de l'équipement. Je peux te dire ça va déconner. Ça va pas déconner, ça va pas déconner. Alors Marcel est retenu prisonnier, trouvez-le et sauvez-le. Très bien, il n'y a pas de souci. Ah, il y a du... Oh, il y a déjà du monde ici, j'imagine que c'est là. Bonjour, bonjour. Marcel, j'ai pour pouvoir être sauvé. D'accord, ok, très bien. Bonjour. Aurez-vous du temps pour parler de Raptor Jésus? Enlève-toi. Non, tant pis. Bonjour. Vas-y, parle français. Tac, tac, tac. Allez, viens. Je t'ai sauvé la vie, mon jeune... Mon jeune ami. On dirait le boucher, enfin non, le français de... Avec son accent, là. De The Boys. Allez, hop. Tiens, monte donc sur mon persan arabe. Vas-y. Saisis pas. Alors j'ai acheté un petit bâtiment fort, pas piqué les hannetons, mon gars. Magnifique, une distillerie où tu te feras un plaisir de travailler pour moi, n'est-il point, et de me rendre riche. Oups, désolé la biche. I knew someone would come for me. And I knew that if someone came, it would be Madame Fiker. Tu peux parler français. Oh! Ah, je suis désolé. Ah, oh merde. Oh merde! Putain, j'ai oublié d'acheter les réanimateurs pour chevaux. Bon, à pied. Allow me to introduce myself. I am Marcel. I was until recently employed by a lady named Madame Leclerc. Ouais, ça oui. Perhaps you know her. Until I was kidnapped, that is. They wanted me for my skills as a brasseur. One who makes l'eau de vie. Moonshine, yes? Ouais. Wait a minute. I thought you looked familiar. You came to visit Madame Leclerc once with Orly, yes? Mm-hmm. Oh. C'est bien ça. You look different now. Your situation has improved, no? Oh oui. I wish I could say the same for myself. Quelqu'un de respectable. One of Madame Fiker's old hideaways, I see. I have some fond memories. Comment ça, l'ancienne cachette? Non mais c'est pas du tout sûr. Si c'est l'ancienne cachette. Mais c'est complètement débile de retourner dans quelque chose qui est déjà connu. Surtout pour faire un truc aussi illégal que de l'alcool clandestin. Quelle débilité. Mais enfin, mais... Oh, faut qu'on s'explique. Bonjour. Comment ça, avec quelqu'un qui nous pique des clients? Attends, on a des clients? Mais... Il nous faut du matériel. Allez, vas-y. Ok, then. We're gonna need supplies and equipment. So we can set up the still and get started with production. Exactement. We could buy all this, of course, but... Why would we do that when we can just borrow it?
permanently from some of the other moonshiners around here and kill two birds with one stone. Time to show these folks that Maggie's back. Back for good. Okay, okay. Oh! Fredo, tu es revenu! Fredo! Alors, oh là là, mais pourquoi j'ai des trucs qui donnent presque rien? Qu'est-ce que c'est ça? Oups. C'est nul. Il faut que je reprenne des carottes. Alors, chien Fredo. Ah, ben j'imagine que c'est là, il y a de la fumée. Ça doit être là-bas, ça c'est sûr. Très bien. Donc il faut leur piquer leur matériel. Rejoindre la cabane clandestine rivaux. Distillateur clandestin rivaux. Écoute, y a pas de souci. Est-ce qu'on les fait souffrir lentement ou de manière standard? Bonjour, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ta gueule. Voilà. Je pense que là, je viens de poser les bases. Une bonne conversation. Bah. À moi. À moi, à moi, à moi, à moi. Fredo, suis-nous. Oh là là, tout ce matos. Mais c'était vraiment bête d'avoir du matos dans un chariot comme ça. Ils auraient pas pu rentrer à l'intérieur, genre le sortir. Oh là là, mais qu'est-ce que ce jeu est beau. Oh là 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 là. Enfin, je pense que les jeux les plus beaux actuellement, dernièrement, que j'ai vu, c'est vraiment Red Dead Redemption et Cyberpunk, clairement. Bon, même si Red Dead c'est un peu de la triche, parce que Red Dead c'est ouvert, il y a moins de choses que dans Cyberpunk. C'est pour ça qu'il faut une config de dingue pour Cyberpunk. Et Cyberpunk est dans un next-gen aussi. Nouvelle techno, tout ça, tout ça. Quand les gens comprendront que ton Cyberpunk sur PS4, il va pas ressembler à un Cyberpunk sur PC. Eh non, la next-gen, frérot. Il est temps d'acheter des nouvelles techno. C'est assez étrange parce que je pensais que distillateur clandestin c'était un peu comme l'évolution chasseur de primes légendaire. Je m'attendais à des trucs scénarisés, machin et tout, etc. Mais non, visiblement c'est propre peut-être au rôle de chasseur de primes légendaire. Après, je n'ai pas fait tous les autres rôles. I am happy to say we are officially in business. Allez-y, I will show you the engine room. Oh oui, vas-y. Thank you for your intervention the other day. I was turning into a rather unpleasant experience. So here we are. Ah oui. Nice. And private. Oh, c'est trop bien. For obvious reasons, hein. There she is. Our steel. A beauty, hein. Since I've been told that you are new in the business, I was thinking you might need some friendly mentorship. Illicit distillation is a very unique pursuit. Ah, but what is most important are the ingredients for the mash. The more successful the business is, the better the price we can negotiate for those ingredients. Just as we will, the more unsuccessful our competitors are. But that side of things is more the area of expertise of Madame Fike. Anyway, some of our buyers are very exacting when it comes to tastes and flavors. So we will need to adjust our recipes to the demand over time. Attention, a stronger alcohol sells for more, as you can imagine. But it also takes longer to produce. So that is something else we will need to balance. Hein? Well, that's enough for now. Let's get to work. I have a feeling you are going to learn fast. Ok, très bien. Très bien. Donc,
Est-ce que maintenant je peux voir un peu mieux, genre comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme le marchand? Est-ce que je dois alimenter tout ça en marchandises, etc. Ou est-ce que ce ne sont que des missions? On prête parler à Marcel pour commencer à produire de l'alcool de contrebande, ou parler à Maggie pour réduire les coûts de production. Réduire les coûts de production, ça peut être pas dégueulasse, hein. Petite stratégie à l'Elon Musk, n'est-il point? Ça serait plutôt... Merci. Oh, thank you for coming to rescue me, hein. Oh, y'a pas de soucis. Approchez-vous de Maggie pour lancer une mission d'initiateur. Scénariser, améliorer la distillerie clandestine ou acheter d'autres articles relatifs à la distillerie. Très bien. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est... Genre des flingues. Des munitions. Parce que tu comprendras que là, c'est un petit peu limite. Je suis dans le mal. Bon, je pourrais prendre ma carabine, tu me diras. Non, pas sorti. Bon, allez, vas-y. Une mission scénarisée, ok? Une seule, hein. Et on s'arrête là, tout le monde. Alright. I got a lead on my nephew Lem. He's been in county jail since the raid, but I got word he's about to be moved to high security at Sisica. Interesting timing, wouldn't you say? Just as I get off my deathbed. Still, probably our only chance to get him out. Now, the reason I heard is the law's moving another feller down to Sisica tomorrow. Weasley money launderer by the name of Stan Reardon, and we'll be transferring him onto Lem's convoy at some point on the route. I digress. I don't give a damn about Reardon, but if you can track down those lawmen, find out where the transfer's taking place, hopefully you can get the jump on them. Just stay sharp. You did good with Marcel. Get me Lem too, you'll be well on your way to proving yourself. Ok, alors... Niveau munitions, je suis bon. Je sais comment je vais faire. Je serai pas aussi rapide. Je gagne des trucs pendant les temps de chargement, c'est cool. Ah, c'est le moment de vous abonner, sinon aussi tout le monde, c'est pas ça. Ça peut être vraiment sympa. Si le contenu vous plaît, voilà. Abonnez-vous. Likez. Commentez aussi. Commentez. Donnez vos avis sur les vidéos. Ça, je peux les améliorer, ce genre de choses, bien évidemment. Alors, on va repenser le stuff. Carabine ici. Merde. Et cet autre par là. Et là, bien évidemment, nous n'avons plus de munitions. Oh, c'est la merde. T'inquiète pas, je vais te le ramener, ton poteau. T'en fais pas pour ça. Je suis passé maître dans l'art de la récupération de VIP. Faut de la bouffe là tout de suite. Voilà. C'est parti. Oh, on est près de Valentine. Pff, je coupe. Ici, on peut couper. Allez hop. Oh, ok. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Alors, allez au camp. Très bien. Fouillez le camp à la recherche de documents. Est-ce qu'on peut faire ça furtivement? Recherche de documents. Il est vachement grand leur camp. Ah. Oh non, on me dit pas que c'est au-dessus. Le camp. Enfin, ce que je cherche. Je vois un point blanc. Ah non, il est là en fait, il est là. Il est dedans. Très bien. Moi je propose qu'on tue tout le monde. Bonjour. Merde. Mauvais, Bill. Attends, ça tire. Oh, mais je vais crever. Non, on peut mourir dans Red Dead Online, je ne le savais pas.
une recharge passionnante. Allez, c'est parti. See you. Oh là là, mais les headshots qu'on enchaîne. Qu'est-ce que tu fais au-dessus de ta montagne, toi? Attends, bouge. Ah, dommage. Parfait, est-ce que je peux... Ah, il reste un mec. Où est-ce qu'il se cache? Frérot, où tu te caches? Là. Coucou. Oui, 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 attends, je vais te libérer. Avant, je vais fouiller un petit peu, voir s'ils peuvent pas me donner... Merde, ok, je vais te libérer très vite. Allez, sors. Vite. Tout de suite. Très bien. Récupérer les docs. Les docs. Ici. Quelle débilité de les laisser ici à vue de tous. Mais ça fait partie du gameplay. Allez hop, rejoignez la zone de transfert. Allez, monte sur Fredo. Non, sérieux. Ah non? Bon. Je peux te tuer alors, non? Je voulais te sauver. Ou tu préfères mourir, y'a pas de soucis. Ah, y'a des gars ici. Oh, mais qui tire? Arrêtez de tirer, vous faites peur à tout le monde. C'est malin ça. Alors franchement, jamais vous m'en rattraperez. Je suis bien trop rapide. Je suis une fusée maintenant. Grâce à ce pur sang arabe, n'est-il pas... Oh, je crois que devant, il y a du monde. Ouais. Genre. Fonce direct. Ils me suivent. Et voilà. Est-ce que je pourrais pas couper? Ouf, désolé le lapin. Enfin le lièvre plutôt. Et ben voilà. Voilà qui est fait. Bonjour. Il se passe quoi là? Oh, j'ai cru que ça avait bugué! Oh, c'est très beau! Ok. Oh là, mais voilà. Donc avec ces informations, on est arrivé ici, au point d'échange, et maintenant on va essayer de le libérer. Éliminer les gardes du Sharyung. Oh, ils sont pas... Oh, ils sont beaucoup! Hop là! Hop là! Hop là! Quelqu'un? Ah là, je sais qu'il en reste un. Merde, je tire sur les chevaux là, non? Il n'y a rien demandé. Oula! Oh, tu m'as saoulé. Ah merde! Voilà. Quelqu'un d'autre. Oh, c'est joli ce qu'il nous fait là. C'est très beau ça. Allez, sors! Ah oui, non, t'es qui? Je sais pas que c'est toi, frérot. Oh! Maggie! She is alive! Oh, thank God, am I glad to see you! Whoa!
Oh merde. Ok. Trop rapide avec le fusil. Ok. Ils ont buté mon cheval! Je suis encerclé. Ne pas céder à la panique. Tu voudrais pas attraper un flingue, là, mais genre m'aider? Pas pour qu'on réussisse. Voilà, mais juste pour que ça aille plus vite, quoi. J'y arriverai bien sans toi. N'avais pas honte d'attaquer un cheval. Par contre, ça tire vraiment pas droit. Non mais attends, mais ils sont combien là? C'est bon, il reste plus que 5. Comme je suis déçu. Ok. Ah, ne bouge pas, ne bouge pas quand je tire sur ta tête comme ça. Non mais, et combien de gens encore? Non, juste comme ça. À croire qu'ils reviennent à l'infini. Vous revenez à l'infini, c'est ça? Parce que si c'est ça, c'est vraiment pas drôle. Faut arrêter les conneries. Oh. Bon. Je meurs une fois, c'est pitoyable. Mais enfin. Oh là 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 là, ça va fouiller. Eh mais ils sont riches les gars ici. Attends, y a mon cheval qui arrive, ne t'en fais pas. Donc ouais, suis-moi. Oh bah. That's a fine looking animal you got there. Ah oui. Take me wherever my aunt is. T'as enfin quelqu'un qui salue la beauté de mon cheval. Ça me fait vraiment plaisir, vois-tu. Alors par contre, attends, par où ils nous font passer? Par les routes, très bien. On va couper comme un tardos. Figures if she was alive, it might be the one thing to draw her in. Guess they were right. Problem is, they always did underestimate Aunt Maggie. Tough, don't even begin to describe her. Ah, ça c'est sûr, c'est une dure à cuire. Il y a qu'à voir son visage. Hein. She controlled the moonshine business in Lemoyne for years, till the government sent in that bastard Reed Hickson, most ruthless feller I ever crossed paths with. He doesn't drink, doesn't smoke, doesn't curse, but he is pure evil.
The other revenuers we could handle, but once Hickson was after us, we just couldn't get off the back foot. Kept moving from place to place, but it was only a matter of time before he caught up with us at one of the cookhouses. Whoa. Que se passe-t-il? Still makes me shiver just remembering it. Ah, d'accord. They trussed her up, blew up the still, and threw her inside there to fry. Oh. I couldn't do nothing but watch as they held me back. The flames just kept getting higher. Whole place started caving in. I swear, it's the only time I've ever seen Hickson smile. Burning a woman alive. Probably got a medal for her, too. The last thing I see is they're dragging me away. Danny Lee, hiding in the trees, just looking on. In jail, I heard they tried for months to hunt him down. But he must have found some protection. Always did have a knack of slithering his way into holes, that snake. D'accord, je vois. Aunt Maggie! You're late. Hey, Maggie, I can't believe it. Oh, I don't die so easy. I didn't know if you were... I know, but we're here now, and I am gonna make it right. All of it. Lem, mon ami! Are you okay? Marcel? Oui, c'est moi! What are you doing here? Oh, how charming. Lots changed, Lem. Can I get you some soup or perhaps something stronger, huh? Marcel, put him in my room for now. But of course. Come on, then. I miss this old place. Get some sleep. We got a lot of catching up to do. Thank you for this. He's a dope sometimes, but he has all I got. Go down and grab yourself a drink. I'll make sure you get an extra cut out of my side of the business. You've earned it. What are you waiting for? The rest you can remove yourself. Vas-y, je vais me prendre un petit verre. Oh là là, bon alors un petit peu d'XP, d'accord. Oh ben j'ai mon verre, nickel. Allez hop. Plus sec. Ouh. C'est intéressant. Bon, alors visiblement ça fonctionne comme le marchandage. Hein, très bien. Pop. Donc alors on voit. Atelier. Comme ça on peut lui parler. Très bien. Donc, là, il nous faut le bon nécessaire pour lancer la production. Plus vous choisissez un alcool fort, plus le temps de confection sera long. Très bien. Ensuite, de l'arôme. Vous pouvez consulter la sélection de cette recette pour ajouter de l'arôme. Donc là, c'est avec les recettes que j'ai eues juste avant, dès que j'ai pris le taf, quoi. Et enfin, ça, c'est l'alcool à livrer. Très bien. Ok. Donc ça fonctionne comme le marchandage. Well, if the revenue agents come here, there will be nothing to see. Très bien. Bon, en tout cas, tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas du tout alors la durée qu'elle va faire. Oh là 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 là, je me suis éternisé. Mais en même temps, il fallait placer le truc. Je peux pas arriver comme ça à dire bon bah voilà, on a le bâtiment et puis voilà, cassos. Non. I promised my sister I'd always look out for him. Anyway, I've got an idea. A way we can send Danny Lee and the Braithwaites a message that we ain't going nowhere. Oh, Braithwaite. Okay. Just need to work out a couple more things. D'accord. Très bien. Et donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Le mardi et le dimanche, il y a des vidéos sur la chaîne. Voilà, moi je vous dis à plus. À la prochaine.